Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, reçoit El Señor Beat. Aujourd'hui on va faire le beat de Niska, la zone est minée. Donc la composition va se passer sur le logiciel FL Studio, comme tu peux le constater. Je mets le tempo à 147, maintenant il faut faire la mélodie principale. Ok, donc il s'agit de Nexus. Tu prends cette sonorité ici dans Nexus. Voilà, piano, bal plano, voilà, ensuite tu t'envoies dans le mixeur, tu mets un paramétrique où tu coupes les fréquences aiguës, juste un peu, et tu coupes les fréquences basses de façon à ce qu'on ne les entende pratiquement plus. Tu mets également un deuxième paramétrique où tu soulèves légèrement les fréquences aiguës. Maintenant, tu ajoutes la reverb. Voilà. Tu agrandis la zone de résonance, comme ceci. Et maintenant, tu mets du delay bank, toujours. Delay bank, c'est de l'écho. Voilà. Donc, une fois que tu as mis ces différentes sonorités, maintenant, tu laisses jouer la mélodie comme ceci. Voilà, maintenant, ce qui te reste à faire, c'est de compléter ça avec les d'autres mélodies en fait. Donc, tu ajoutes cet instrument-ci que tu prends dans Nexus. C'est un bel en fait. Maintenant, tu prends dans Purity un autre piano qui est Piano Arena. Voilà. Tu déposes ce piano là comme ceci. Et pour ce piano là, il va falloir toujours que tu coupes maintenant les fréquences aiguës. En fait, ça c'est des pianos qui jouent des accords. Tu coupes les fréquences aiguës, tu coupes légèrement les fréquences basses aussi. Et tu obtiens ça. Maintenant, il y a une dernière sonorité qu'il faut mettre là. Il s'agit encore d'un piano. Donc j'ai mélangé en tout 4 pianos pour avoir la mélodie. Voilà. Après les sonorités, les mélodies, il faut jouer les drums. Donc on commence par dessiner. Les snares qui sont disponibles dans le pack dans la description, tu peux avoir les snares pack que j'appelle Trap Volume 1. Clique dans le lien dans la description pour bénéficier gratuitement de ce pack. Donc ensuite tu vas ajouter un clap. Maintenant, tu ajoutes des percussions. Tu vois, des trucs comme ça. Voilà, après avoir ajouté les percussions, tu mets le... Après, tu ajoutes la 808, tout simplement, et puis ça pote en fait le son.
slide comme ceci. En fait, j'ai juste double-cliqué sur la note et puis j'ai activé la notification slide. Ça fait des... Donc il y a des variations en fait. Ok, donc tu sais, on arrive à la fin de la vidéo, c'était El Señor Beat. Je t'invite à cliquer dans la description pour bénéficier gratuitement des séries de vidéos de formation qui vont te permettre de pouvoir, partant de rien du tout, que tu sois un débutant ou tout simplement un passionné de la musique qui a envie de maîtriser le logiciel FL Studio pour refaire les instrumentales des artistes qu'il faut au quotidien, clique dans la description. Ciao.